partir. Et c'est l'idée qui me confiait. Tout à l'heure avec. Parce qu'en gros, vu qu'elles n'étaient pas assez en double. En double féminin, pardon. Ils ont fait jouer pour que j'ai plus de matchs en open double, etc. Pour plus les faire jouer. Et Cindy était déçu de ne pas pouvoir rencontrer tout le monde, toutes les doubles, toutes les féminines, etc. Et là, du coup, je pense qu'arrivée en finale, elle va plus trop m'en vouloir. Ça devrait bien se passer. Est-ce que vous entendez toujours bien? Est-ce que vous voyez bien? Je l'espère, en tout cas. Première vague du fond devant pour Cindy qui tente l'injection. Oh la récupère, s'excuse quand même, mais. Oh, et l'aller-retour magnifique. L'aller-retour, le fameux de Cindy, l'aller-retour poussé et croisé hein, en plus, histoire de. Du coup, Valentine qu'on a vu aussi très très efficace. Très très efficace à la Champions League à Rome. Ah pardon, mince, j'ai pas mis l'over. Oh là là, je suis nul, pardon. Excusez-moi, Ouais, parce que je suis pas habitué à gérer le scoring. Pardon, excusez-moi. N'hésitez pas à me dire dans le chat hein, si je fais des bêtises, que je suis pas à jour. Oh là là, encore une fois, c'est des. C'est des très très efficaces, à part que Laurine. Injection, c'est fait. Il va falloir que Laurine. Ne se fasse pas avoir à tous les coups avec l'aller-retour parce que ça va être compliqué sinon. Bien volé quand il y a un relais de ce côté-là. La relance, zoom, la masse de terrain. Ouais, donc il n'a pas réussi à la récupérer. Pas mal le. Il faudra essayer de faire des relances un petit peu plus propres quand même, Laurine. Et là, Cindy, elle est au taquet. Et encore un aller-retour. Non. Oh là, bah oui, encore un aller-retour. Cindy, elle a dit tant que je gagne, je joue. Ah, peut pas. Ah oui, ça tape dans le joueur en plus. Main ouverte, c'est tiré croisé qui tape dans le joueur. Un petit peu de réussite là sur celui-là. Côté bouton. Valentine, il va falloir trouver des solutions devant parce que pour l'instant. Mais il va falloir trouver des solutions, Valentine, parce que Cindy est très efficace. Carole vole bien et. Il va falloir y arriver. Et là, Valentine qui relâche un petit peu, ça passe sous le joueur. Ça fait pas grand chose. L'aller-retour, non. Ah, peut-être l'aller-retour. Eh oui, l'aller-retour encore une fois. On l'a revu encore une fois l'aller-retour. Fameux aller-retour de Cindy. C'est beau. Ah c'est ça la signature de Cindy, exactement. Et là ça en fait, elle en a fait quand même 3 là, elle en a rentré 3 ou 4. Je sais plus si c'est les 4 ou. Oh 3 c'est sûr. 4 je suis pas sûr. Et du coup ça donne quand même pas mal de balles de manche là pour. Pour Cindy et Carole pour mener 1-0.
Oh! Oh, et la petite tirée croisée qui passe. Première intention. Magnifique! Magnifique, et du coup, une manche à zéro pour Cindy Carroll. J'ai l'impression que Carroll qui a libéré un peu Cindy sur ce tir-là. Et je pense que s'y attendait pas du coup. Enfin, personne s'y attendait pour le coup. Mais Carroll qui tire première intention comme ça. Petit tiré croisé, très propre. Et ça permet du coup de mener 1-0. Ah, j'ai pas l'habitude de switcher les. Ah voilà, de switcher les caméras, excusez-moi. On voit aussi la finale vétéran qui se joue à droite. Enfin, la finale vétéran, la finale plus de 50 ans, pardon. Bah, et qui est-ce qu'on a vu là dans le public? Il y en a qui ont eu l'œil. Vraiment, bravo. La petite casquette à l'envers, je pense qu'il y en a qui ont pu la voir. Alors, on va retourner sur le match. Il a l'œil, Max, il a l'œil. Ah, le contre, dommage, une relance qui était un peu hésitante. Attends, deux petites secondes. Et pardon, du coup j'ai dû louper des choses là, j'ai pas mis de score, j'ai été alpagué par Tom Dross, mais il pensait que j'étais le bureau des objets trouvés ici, mais c'est à la table de marque malheureusement. Dommage, pas de bruit, dommage. La récupération de Valentine. Et non, aller-retour, ça repasse encore. La signature, il a dit. Il l'a dit, Max, c'est la signature. Dommage. Dommage, dommage. Oh, la relance, Carole. La farce réveillée, Carole. Un contre, une relance comme ça, une balle gratuite. C'est pas bon. C'est pas très bon. Derrière moi, elle est solide derrière, Carole. Oh lo 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 lo. Ah ouais, c'est bien rattrapé. Hein. Autant pour moi, c'est bien rattrapé. Oh lo 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 lo. Oui, bon bah c'est très bien rattrapé. Oh, excusez-nous. Hein. Bah, là, Carole on fire, hein, excusez-moi, mais... Hey, Valentine, t'arrives pas à trouver de solution. Ouais, ça passe, ça passe. C'est hésitant, mais ça passe. Du coup, ça fait quand même encore 3 balles de manche pour Cindy Carroll. C'est bien capté. Dommage, la balle avait un peu d'effet sans doute. Peut-être, mais non. Valentine qui récupère, il va vraiment falloir faire quelque chose là. Pas se laisser abattre, ça fait deux manches comme ça. Oh là là, elle est belle, bien joué ça, Valentine, c'est très très bien joué. Ouh, un très gros match qui est annoncé par Maxime dans le chat. Peut-être. Allez, retour. Oh là 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 là, et le passement de jambes maintenant. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Et là, oui, ça c'est validé ça. Et ça fait 2-0. Très 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 grosse manche de la part de Carole et Cindy.
Désolé messieurs, j'ai dû vous emprunter votre président, Martin Vizou... pas Vizouvert, pardon. Alors, que je me trompe pas sur les scores. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on m'entend déjà? Je ne me trompe pas sur les scores, hein, partout. Ok, parfait. Je suis juste suppléant. Je viens d'arriver. J'essaie de prendre mes marques. Martin, de toute manière, il va revenir tout de suite. Il gère un problème à la salle. C'est pas un problème, hein. C'est juste une dotation à payer. Donc, malheureusement, j'ai pas suivi tout le match de cette finale féminine. Mais on a entendu quelques cris. Ça a l'air quand même pas mal. On va dire que ça fait plaisir de voir Cindy jouer. Moi qui ai pu évoluer au baby foot au club de Segré avec Cinderella. Ah, dommage. Ah si, ça revient. Ça revient. Un peu de chance à la récup, on va la chercher. J'ai pas vu le match, mais je sais pas si Cindy elle a pu jouer un peu avec le. Avec le snake ou pas. Je sais que cet après-midi elle m'a dit que le poignet faisait un peu mal, donc peut-être qu'elle a évité. Voilà, tout sur place. J'ai pas vu les scores précédents, mais ça fait déjà 2-0 en manche. Peut-être plus difficile pour Cindy, vu qu'en face on a une partenaire qui est de Segré, donc ils ont quand même joué, même si aujourd'hui Cindy joue pour les Raptors, avec Laurine, qui ont joué quand même pas mal ensemble. Donc, j'imagine qu'ils doivent se connaître. Donc, c'était cadré ça, la part de Carole. Je suis pas sûr que ça c'était une passe, mais en tout cas c'était précis. Et la main ouverte qui passe. Si c'est bon. Je suis dans le bon sens. 2-1, parfait. J'ai le score sheet qui est là. Ok, nickel. Encore une fois cadré. Très agressif de la part des deux arrières. On vient récupérer. Et j'allais dire, ouais, parce que ça fait déjà 2-3 fois que Cindy passe la tirée. Donc là, derrière tour, il est allé partir. Valentine va réussir à créer l'écart. Et oui, ça passe. La main ouverte poussée. Oh, ok. Bonjour et bonsoir. Ouh, ben voilà, le snack qui passe. Le snack il est passé, parfait. Je suis que suppléant ici. Normalement Martin va revenir, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi le match de Martin Vizoubert qui est en cours, son quart de finale du tableau semi-pro. Ouais, ça passe au sec maintenant. Elle a bien changé, ça faisait 3-4 fois qu'elle se faisait gauler sur sa main fermée. Et on recolle au score. 3 partout. J'arrive peut-être sur la manche décisive, sur la dernière manche. Bon, vu les commentaires, ce que je vois, Cindy a été quand même assez performante. Je
Et là Thierry qui va passer. On voit le petit geste de Cindy hein, sur le côté qui dit à son arrière de prendre son temps. On n'est pas pressé, il y a bien 15 secondes. Peut-être un peu de réussite sur cette passe. Et repositionnement du snake. Et wow, tiré croisé. Temps mort aussi de prix par Valentine. Alors on va essayer de changer le point de vue pour vous voyez bien la petite salle dans ce nid. Cette petite zone finale. Et c'est reparti. Ah oui, hein, j'étais en train de vérifier les scores, mais on est sur une balle de match. Balle de match pour Cindy et Carole. Pour décrocher cette première place. Attention, peut-être au time. Ouais. Oula. C'est passé en dessous, on aurait pu avoir une, peut-être une première balle de match pour Cindy. Je dirais un petit but de l'arrière, ça fait plaisir. Oh la petite coulée là, elle était magnifique. Hein. Elle était pas loin de rentrer. Mais non, très agressif. Hein. Je pensais que c'était une petite passe, mais non. Première balle de match. Et on repart sur une main fermée. Ouh là là, c'est joli. Magnifique. Et c'est gagné pour Cinderella et Carole. Première place. Bon, malheureusement, j'ai pas vu les deux premières manches, mais cette manche-là était déjà quand même pas mal à voir. Très content d'avoir pu regarder cette dernière manche et voir la victoire de Cinderella et bien sûr de Carole. Petite démonstration magnifique. Petit changement hein, quand même de Cindy. Hein. On a vu au départ que beaucoup plus de mal avec la main fermée. Petit changement sur 2-3 buts en snake, histoire de perturber l'adversaire et c'est reparti.